La voirie urbaine de Bounia, sous l'effet de machines, continue de faire peau neuve pendant l'état du siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chama Johnny. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bounia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans des appareils sur l'avenue bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. C'est très rapide. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaan, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche des fondations qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safrica poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chama Johnny, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables Action des développements. Lancé le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bounia concernent 5 acteurs principaux de la ville de Bounia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bounia.